On se connaît depuis combien de temps, Ken? Est-ce que j'ai déjà brisé une promesse? Je te mettrai un volant dans les mains aux 24 heures du Mans. Toi, tu te contentes de la fermer et de me laisser faire. D'accord. Viens ici! Bonjour, Shelby. Bonjour, Molly. Je t'emmerde. Va chier, Ken. Mesdames et messieurs, Ferrari remporte les 24 heures du Mans pour une 5e année consécutive. Monsieur Ford, Ferrari a un message pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ford fait des voitures ridicules dans une usine grossière. Et il vous a traité de gros. On va écraser Ferrari au Mans. Alors, le grand Carroll Shelby va construire une voiture pour battre Ferrari à partir d'une Ford. C'est ça. Et tu leur as dit que t'avais besoin de combien de temps? 200-300 ans? 90 jours. Ford déteste les gens comme nous parce qu'on est différents. On dit qu'il est difficile. Ken? Non, il est doux comme un agneau. S'il y a un problème, l'ordinateur le saura. On va chercher de la laine et du papier collant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent votre voiture plus rapide. Oh non, par vous! Miles n'est pas l'homme pour nous. La victoire est à portée de main et vous m'annoncez que je ne peux pas avoir le meilleur pilote du monde? Donnez-moi une bonne raison de ne pas renvoyer tout le monde, à commencer par vous. Eh bien, monsieur. On est plus léger, plus rapide. Et surtout, on est plus agressif. Allez-y, Carole, partez en guerre. T'as un plan? Il est risqué. C'était pas ça le but, gagner cette foutue course. Si c'était un concours de beauté, on aurait perdu. C'est pas le look qui compte.